Hi Mina, c'est Kyu-chan. Et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Final Fantasy VII NT version A. Nous allons donc, comme vous entendez la musique, nous devoir nous taper la parade de Rufus. Hein. Alors avant de monter, je crois qu'il y a une materia qui est installée maintenant dans la chambre de Priscilla. Exactement, c'est bien ça. Une materia à lenteur. Donc en fait, Segachif a créé de nouvelles materias. Parce que techniquement, lenteur, on l'a déjà avec la materia temps, voilà, sauf que je ne l'ai pas encore débloqué. Mais il a quand même créé des nouvelles materias qui sont justement dissociées de ça. Donc on peut avoir juste lenteur si on n'a pas besoin d'avoir hâte en fait. Voilà, donc ça peut être pratique. Et je sais qu'il a fait ça pour d'autres materias qui contiennent souvent plusieurs magies. Ouais. Alors la technique est toute simple, vous appuyez deux fois sur le sifflet et vous êtes envoyé directement, voilà. Faut pas chercher à se placer, vous appuyez deux fois sur sifflet et ça se passe, vous êtes placé directement au bon endroit. Ok. Le haut vent qui sera à nous bien plus tard. Hein. Voilà. Alors, ce truc-là ressemble à un coffre, mais c'est un panneau de contrôle pour l'ascenseur. Hein. Allez, hop. Ouais. Allez, on va se changer. Alors j'avais raté mon coup pour la parade dans la version B, je vais essayer de la réussir ici. Techniquement c'est très simple, c'est juste que je sais pas pourquoi mon perso est parti en diagonale plutôt que tout droit. Allez hop. Allez, on passe vite tout ça. Allez hop, on s'en fiche, voilà hop. Alors c'est un détail, mais ce que j'aime bien c'est que Segachif a ajouté des soldats de couleur dans la parade. Alors attention à ce que je dis, hein. C'est juste que dans la version Vanilla, tous les soldats de la parade sont en costume bleu et ici il y a des costumes gris, des costumes rouges et tout ça, je trouvais ça pas mal quoi. Je sais que c'est qu'un détail, hein, mais voilà, c'est un détail qui montre qu'il n'y a pas que des soldats en costume bleu quoi. Alors je sais pas ce qui s'est passé à Junon pour que ce soit aussi militarisé et qu'il y ait cet énorme canon, mais pourquoi pas. Junon a sûrement dû connaître une grosse attaque, je sais pas, de kaiju ou je sais pas quoi, parce que pour qu'il y ait ce canon là... Allez. Oui ça va, on prend le raccourci. Ah, hop, pas obligé de leur parler, on peut passer directement. Alors, ce coup-ci, je vais essayer de la réussir. Hein. Bon, si j'y arrive pas, c'est pas grave, mais bon. C'est juste qu'on peut gagner 5000 guilds si on y arrive, mais bon. Alors, ce qui est con, c'est qu'on doit passer inaperçu, mais on est en plein milieu de la caméra. Voilà, et là vous spammez le bouton et vous voyez que le ratio augmente à crever. Voilà. Je ne sais pas. La 10 remonte. Elle remonte en flèche. C'est fait. Récompensez ce soldat.
Drogue de héros. Alors, dans la version vanilla, on obtient 5000 guilds, hein, mais ici, on obtient une drogue de héros. Je sais toujours pas ce que ça fait, la drogue de héros, mais bon. Enfin, une drogue de héros 2, même, au passage. Alors, on peut essayer de bouger si on veut, mais ça sert à rien. Voilà, hop. On est remis en... Ouais, tu vois, on est remis à l'ordre par l'hôte. Ouais, je fais l'en... Pour une fois que c'est moi qui fais l'andouille. N'empêche, j'avoue que j'ai hâte que le pack de Ninostai soit entièrement terminé, qu'ils aient fait tous les personnages. Parce que le pack de Ninostai, donc il permet d'avoir les chibis plus le pack graphique HD, ça donne quand même une nouvelle vie à notre jeu, quoi. Parce que malgré le fait que j'aime énormément FF7, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il a assez mal vieilli, hein, au niveau graphique. Mais bon. Donc là, on apprend que Hojo a disparu et que tout le monde est à la recherche de Sephiroth. M'en fous! Alors, évidemment, on a cette fameuse parade aussi, encore une fois. Oh, le plus dur, bien sûr, ça va être de se rappeler que menu, c'est quel bouton et tout ça, parce que, évidemment, sur la version vanilla, on a directement les bonnes touches. Ici, il faut vraiment se souvenir de quelle touche est laquelle, ce qui n'est pas forcément évident quand on doit aller un peu vite. Et comme vous l'avez vu dans la version type B, normalement, j'ai aussi tendance à balancer la technique... la pause finale beaucoup trop tôt. Parce que, vu que le personnage parle, on a tendance à vouloir faire passer les dialogues, et donc on appuie sur le bouton OK pour passer le dialogue, sauf que ça lance la pause de fin. Alors, on va quand même aller faire un tour dans les magasins. Hein. Alors, on voit Ruth qui fait sa vie. Hein. Alors, scellé, on l'a pas, je vais la prendre. Et tout le reste, on a. Toujours vérifier qu'il n'y a pas d'objets cachés. Parce que Sega Chief adore cacher des objets dans le décor. Ça, on en a un. Et ça, on a. Ok. Alors on peut aller voir Rude si on veut, mais ça change rien, il est juste en train de jouer aux cartes avec des copains. Et si on s'approche, il nous dit juste, si tu veux faire comme tout le monde, enlève ton casque, mais voilà, il nous dit rien de plus. Ouais. Ah. Alors ici, pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez qu'on trouve techniquement plein de sources, sauf qu'en fait, première nouvelle, il n'y a pas de source, il n'y a plus de source dans ce jeu. Vous allez voir que le système de source va être assez différent. Et normalement ici, il y a une matériel talent ennemi, mais Sega Chief les a enlevés, ce qui fait qu'au lieu d'en avoir 4, on n'en a plus qu'une. En vanilla, on peut en avoir 4 des talents ennemis. Ce qui est un peu ridicule en fait, parce qu'on n'a qu'une équipe de 3, mais bon. Voilà. Et j'avais pas vu celui-là d'ailleurs, passage. Donc vous voyez en effet que toutes les sources ont disparu, hein, comme je vous le disais. Si apparemment il n'y a plus rien, ok. Mais vous inquiétez pas, vous verrez le fonctionnement des sources plus tard. Ça n'a pas complètement disparu, mais ça a juste changé
de façon d'être utilisé. Ce qui nous empêche en gros à la fin du jeu de maximiser nos persos avec toutes leurs stats à 255. Hein. C'était surtout ça le but en fait. Alors ici il y a les autres turcs, ça sert à rien de leur parler non plus, mais on voit qu'ils sont là, ils font leur live. Ici c'est une auberge, il n'y a pas d'objet à ramasser ici. Lui je pense qu'il vend rien d'extraordinaire. Ouais, rien qu'on n'a pas déjà. Et toi, qu'est-ce que tu vends? Des équipements. Alors, à part le bandeau que je n'ai pas, les lunettes d'argent, je les ai. Ok. Ah, au passage, je ne sais plus si je l'avais dit, mais en off, j'ai essayé de transformer le Midgar Solom, mais on ne peut pas le transformer. C'est un monstre qui ne se transforme pas. Donc voilà. Comme ça, vous êtes au courant. J'ai été réapprendre bêta, mais on peut pas le transformer. En même temps, si vous pouvez le transformer, ce serait un peu cheaté, puisque ce serait un monstre qu'on pourrait un peu transformer à volonté. Je crois que lui, il vend rien de spécial non plus. Ouais. Ok. Il est temps de rejoindre tout le monde et de faire cette stupide parade. Alors je sais que les récompenses ont été changées, parce que techniquement si on fait le meilleur score, donc plus de 100 points normalement, je crois que c'est ça, plus de 100 points ou plus de 120, je sais plus exactement, on obtient une arme pour Claude, mais ça a été changé, donc je sais pas les autres récompenses ce que c'est. Putain, ça commence bien. Ah putain, je vais me gourer à chaque fois. Zut, j'ai carrément raté celui-là. Putain. Ah! Attention. Bon, je suis complètement en décalage, mais bon. Bon, techniquement, on a le meilleur score, hein, mais bon. La rouge 13 en arrière-plan, vous l'avez peut-être vu. Hein. Voilà, on obtient un bracelet d'argent. Alors, je crois que c'est un peu de la merde en fait, mais bon. Ok. J'aime bien, on peut faire ça aussi avec les boutons. Ça sert à rien, mais c'est drôle. Ok. Voilà, ça c'est fait. Il me reste plus qu'à aller jusqu'au boss, hein, et on pourra
mettre fin à cet épisode après. Il faudrait que je regarde aussi pour réassocier mes matériaux correctement. Alors ici on a Yuffie qui nous bloque l'accès à une materia. Je lui donne un calmant, pourquoi pas. Voilà. Il y a Iris qui est ici. Voilà. Il y a Tifa qui est là-haut. Et on a Rouge 13 qui est ici et qui danse la Macarena. Ou plutôt la gigue irlandaise. Ensuite, on va retrouver Iris pour qu'elle nous parle de Barrette. Et on pourra chercher le grand Black. Allez hop. Voilà. Alors, un truc que je vais faire, c'est que, parce que je sais plus qui a l'accessoire de vol, donc je vais prendre Yuffie un instant, je crois que c'est, je suis pas sûre que ce soit elle, mais normalement je vais prendre Tifa et Iris, mais j'ai un gros doute sur qui a cet équipement. Ouais, c'est elle, hop, voilà, et Iris, elle est ici, voilà. Alors, voilà, niveau des équipements. Voilà, donc on a obtenu un bracelet d'argent qui augmente la magie de 10. Je suis pas convaincue quand même. Tac. Ok, alors, niveau materia. Faut que je vérifie mes statuts quand même. Vitalité, c'est la défense, c'est la dextérité qui est la vitesse. Donc il a une très bonne défense, lui. Elle, la défense, c'est que d'affre. Peut-être que je pense à lui augmenter plus tard. Mais en même temps, elle, je privilégie la magie et l'esprit pour elle, surtout. Et elle, c'est la dextérité et la force. Ok. Alors. Shiva, ça donne quoi? Ouais, c'est naze, Shiva. Alors, déjà. Tout ce qui augmente la force, on va lui donner. Ainsi que la dextérité, au passage. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Force et vitalité. Ah oui, il faut aussi que je regarde pour donner des sorts d'attaque à Iris. Parce qu'elle a que des trucs de soins. Ce serait bien qu'elle a quelques trucs de force aussi. Enfin, d'attaque, je veux dire. Ok. Barrière, destruction... Ah si, elle a quand même terre. Si, elle a quand même terre. Ça va. Ça va être dans mon autre partie qu'elle a que des trucs de soutien. J'y arrive plus. Alors, on va chercher la materia qui est là-bas. C'est materia tout, mais on la prend toujours. Hein.
On n'a jamais assez de matériel à tout. Ah, il faudra que je pense à donner talent ennemi à Cloud. C'est comme c'est le seul à qui j'ai pas évolué les limites. Il faut que je lui donne talent ennemi, qui sera quand même bien utile pour faire ça. Comme ça, tu auras deux matériaux d'attaque. Alors, on va d'abord aller chercher le coffre. Alors, quelquefois, on a la musique du combat, quelquefois, on l'a pas. C'est toujours surprenant. À cause du poison. Par contre, il faudrait peut-être que je donne le gant de voleur à Tifa si c'est elle qui a volé. Quoique non, Cloud aussi a volé en fait. J'ai rien dit. L'éventail, ça c'est pour Yuffie. J'étais vraiment à la limite en plus. Est-ce que ça va? Allez. De toute façon, on sait bien que c'est notre copain qui va apparaître. Et voici Genova. On va commencer par essayer de lui voler son objet. Ah merde, c'est qui a hâte. Je crois que c'est... Ah bah voilà. Je crois que c'est... Ouais, c'est Cloud. Même pas mal. Ah, la nouveauté du combat. Elle s'invoque quelques copains.
Alors la limite de Tifa pourrait être utile en espérant qu'elle n'achève pas Genova. Parce que j'aimerais bien la transformer. C'est ça le problème de la limite de Tifa, c'est qu'elle est totalement aléatoire. Ok. Elle a bien affaibli Genova, mais elle l'a pas tué. Faudrait que je me soigne après. Ah bon, au moins comme ça elle va quand même être en hâte. Ok. Là on va commencer à la transformer. Transformer aussi, je devrais le donner à Claude, parce que si c'est lui qui doit tuer les ennemis. Bah bon, en même temps, les boss, c'est pas encore trop grave. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, en même temps, je sais qu'elle donne. Maintenant, je sais qu'elle donne pas un accessoire, donc c'est pas encore trop grave si on la tue comme ça, mais bon. Bon, bah tant pis. Tant pis! Maintenant, je sais qu'elle donne pas un accessoire, donc ça va, c'est pas trop grave. Elle donne un objet magique qui invoque astéroïde. Donc, c'est pas encore trop grave, quoi. Je crois qu'elle donne une poussière d'étoile, un truc comme ça. Donc ça va, c'est pas trop grave. Ça m'aurait plus fait chier si ça avait été un accessoire. Non, on n'explique pas, c'est trop compliqué. Et puis on n'a pas le temps. On récupère Ifrit. Et on se casse. Voilà. Et arrivé à Costa del Sol, on pourra s'arrêter. Puisque c'est là que je m'étais arrêtée avec la version B. Bien sûr, il y a la longue scène juste avant, hein, mais bon. Enfin, elle n'est pas si longue que ça, parce que je vais spammer le bouton, mais bon, vous avez compris. Allez, tout le monde se casse. Et maintenant, on a la scène avec Rufus et Heidegger. Qui est légèrement différente de la version Vanilla, puisque dans la version Vanilla, il va sortir du bateau, ce qui est logique. Et dans la version Vanilla, il sort de l'hélico. Là, j'avoue que j'ai pas compris le changement, mais bon, pourquoi pas. C'est pour la blague de prendre le bateau et puis finalement d'arriver en hélico? Je sais pas. Bam! Ça c'était gratuit!
Maintenant, je suppose en effet que l'explication, c'est comme il y avait un intrus sur le bateau afin de protéger Rufus, on a fait venir l'hélico pour qu'il quitte le bateau et ainsi qu'il n'y ait pas de danger qu'on s'attaque à lui et tout ça, mais bon, voilà quoi. Quelquefois, l'explication la plus simple est souvent la plus cohérente. Allez, dépêche-toi. Voilà. Alors avant de faire quoi que ce soit, je vais aller au point de sauvegarde et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à aller voir la version type B pour voir les différences. Hein. Voilà, n'hésitez pas à... à partager la chaîne et à la faire connaître. À me suivre sur Twitter et sur Twitch où je fais d'autres vidéos. Et moi je vous dis, ciao tout le monde !